Salut tout le monde, alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale, on va changer d'habitude, on va parler de 5 joueurs de foot qui ont eu des problèmes avec la justice. On va tout de suite partir avec le premier, Mbaye Niang, le joueur de l'AC Milan. Ce joueur aime bien la vitesse, c'est le 2 février 2014 qu'Mbaye Niang était alors prêté à Montpellier. Il se fait prêter une Ferrari et c'est le drame. Perte de contrôle du véhicule, il fonce tout droit dans un arbre. Le 24 février 2014, il est condamné à 18 mois de prison avec sursis pour blessure involontaire, mise en danger de la vie d'autrui, délit de fuite et conduite sans permis de conduire. Faut vraiment le faire quand même. On passe au deuxième joueur, Paul Rosentep. Le joueur de Rennes est quelqu'un de violent. Le 25 février 2014, quand il jouait à la JO Auxerre, il est condamné à 3 mois de prison avec sursis pour fait de violence sur son ex-petite amie. Cette dernière avait porté plainte pour coups et blessures qui lui auraient été assénés en juillet 2013. Pendant le procès, le procureur aurait même dit « C'est une belle carrière qui s'ouvre à lui, mais dans la vie privée, il a un véritable comportement de psychopathe. » On passe maintenant au troisième joueur, Souleymane Diawara, l'ancien joueur de l'OM et plus récemment de Nice. C'est le 9 avril 2015 qu'il est écroué à la prison de Marseille des Baumettes pour affaire d'escroquerie dont le joueur aurait été la victime et pour laquelle il aurait tenté de se faire justice lui-même. Il est soupçonné d'avoir demandé à 4 proches, dont son frère, d'aller exercer des pressions sur un vendeur de voitures qui aurait tenté de l'escroquer. Il a rencontré un pseudo-garagiste qui lui a dit qu'il était capable de lui trouver des véhicules que Souleymane Diawara voulait. Et Souleymane Diawara lui a fait confiance et lui a remis une importante somme d'argent. Et je pense que le garagiste n'a pas pu lui donner les véhicules que Souleymane voulait. On passe maintenant au quatrième joueur, et quel joueur? Jamie Vardy. Le joueur de Leicester est surnommé The Cannon pour son côté impulsif. C'est en 2000 qu'il est obligé de se promener avec un bracelet électronique, les gars. Pour une bagarre dans un bar, il est obligé d'être rentré chez lui à 18h30. Quel parcours quand même. Parce que vous imaginez, en 2000, il avait un bracelet électronique, et maintenant, c'est le meilleur buteur de Première Ligue, et il est champion avec Leicester. Et pour la dernière place, une incroyable histoire. Godwin Okpara, l'ancien joueur du PSG. C'est un fou, ce mec. Le 1er juin 2007, il est condamné à 13 ans de réclusion criminelle. Il est reconnu coupable de viol, de torture et d'esclavagisme sur sa fille adoptive. Dans la même affaire, sa femme, Linda, prend 15 ans elle aussi. L'enquête a révélé que la jeune fille âgée de 18 ans au moment des faits a été brûlée, abusée sexuellement et humiliée. Elle dormait au sous-sol de la maison du couple sur un matelas humide, privée d'éducation. C'est vraiment grave quand même à ce niveau de faire des choses comme ça, même tout court c'est vraiment grave de faire ça. Et voilà les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à lâcher des pouces bleus. Je vais faire plus régulièrement des vidéos comme ça, peut-être une à deux fois par mois. On verra, dites-moi si ça vous a plu et donnez-moi des idées de top 5 dans les commentaires. Ciao les gars!